Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. A priori, vous me voyez, j'espère que vous m'entendez. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette dernière émission Twitch de l'année, émission Twitch de la chaîne Céroni. Vous l'avez sans doute remarqué, en termes de capillarité, je ne suis pas Benoît Martin, qui est déjà en vacances, et c'est donc moi qui ai la charge et le plaisir de vous accompagner pendant une heure. Je suis très content, c'est un peu aussi une première pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me dire dans le chat si vous m'entendez, a priori tout fonctionne. Amélis me dit déjà qu'elle a remarqué ma capillarité, donc normalement tout fonctionne. Pierre est là de toute façon au cas où pour m'aider. Voilà. On me dit dans l'oreille qu'il n'y a pas d'image. Ce qui est étrange. Ce qui est très étrange puisque je me vois, mais je ne sais pas si Pierre peut m'aider. Pushing the button. Est-ce que c'est bon Pierre là? Je pense que oui. Ok. Bonjour. J'avais oublié d'appuyer sur le bon bouton. J'espère que ça va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je refais mon intro ratée, du coup. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier live Céroni sur Twitch. Vous savez qu'on a lancé notre chaîne Twitch, très, très difficile à dire. Il y a un bon mois environ, et puis c'est Benoît qui avait la charge, Benoît Martin, d'animer tout ça, et il est déjà en vacances, le petit salaud, je le salue, et donc c'est moi qui vais vous accompagner pendant une heure, et moi je commence à l'heure, monsieur Martin, 17h, c'est 17h. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos petits commentaires dans le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions, on s'est fait un petit programme durant cette prochaine heure. Moi, je vais vous donner un petit coup de cœur vidéo dans quelques minutes, et puis après, on va accueillir Anastasia, que vous ne connaissez pas encore. Vous savez qu'on a l'habitude de présenter un peu tous les membres de l'équipe Céroni durant nos live Twitch, donc comme ça, ça vous permet de voir qui travaille dans l'équipe. Et puis ensuite, nous allons accueillir Guillaume de News Asset Pro, et puis ensuite, on va essayer de faire rentrer le plus possible de monde dans cet espace. Ça va être difficile, je ne sais pas combien de personnes on va pouvoir tenir pour faire un petit quiz sur l'ESR. Voilà, Von Dichen me dit sympa la Nintendo 64 derrière moi. C'est la Nintendo 64 de Florian, me semble-t-il, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si mes confrères journalistes qui sont déjà en vacances ont eu le loisir de se connecter sur la plage. Si c'est le cas, je leur fais un petit coucou. Et puis, je vous propose tout de suite de démarrer, avant d'accueillir Anastasia et de parler des triplettes de la lettre, qui est un événement qu'on organise en fin d'année. Je voulais vous partager un petit coup de cœur. Alors, en même temps, je découvre la technique, donc si ça foire, si je me trompe de bouton, si ça fonctionne pas, a priori, si j'appuie là, oui. Normalement, vous me voyez, et si normalement j'appuie là, voilà, on tombe sur News Assurance Pro, le site sur lequel je travaille, mais c'est pas ça dont il s'agit. Je voulais vous partager une petite vidéo de France Assureur. Donc France Assureur, c'est la Fédération Française de l'Assurance. France Assureur qui a publié il y a quelques jours, me semble-t-il, une petite vidéo qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez correctement le truc. Alors, pardon. Ok, on me dit d'appuyer sur transition. Voilà, ok. Et à chaque fois, il faut que je fasse ça, ouais, Pierre. Je sais pas pourquoi, mais oui. Ok, d'accord. Top, ça marche pas. Cool. Ok, donc normalement, vous voyez mon site. On est sur le site de France Assureur, donc la Fédération Française de l'Assurance, qui ici a sorti une petite vidéo que je vous invite à regarder parce que je la trouve plutôt bien faite. Et c'est une vidéo qui annonce une conférence que va tenir la Fédération avec Insurance Europe. Insurance Europe, c'est l'équivalent de la Fédération Européenne de l'Assurance. Alors, je ne peux pas vous mettre le son parce que sinon, on va se faire bannir. Vous en avez l'habitude pour ceux qui suivent Twitch. Mais c'est une petite vidéo qui est relativement bien faite, en musique dynamique. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas de faire de la pub pour France Assureur. Hein. Je travaille pas pour France Assureur, mais je la trouvais plutôt bien. Et c'est une vidéo qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir autour du monde de l'assurance. Donc voilà, on y voit Florence Lussmann, la présidente. Voilà, je vous invite à aller l'écouter. En plus, elle est en anglais. Elle est plutôt bien faite. Elle est plutôt dynamique. Donc voilà, l'idée, c'était de vous partager... tout ça. En même temps, je lis, parce que Pierre, il a bonne idée de me mettre le chat en énorme devant moi, parce que je ne vois pas grand-chose, donc je lis vos commentaires,
qui sont pour le coup très sympathiques pour le moment, mais pas très constructifs, je vous remercie. Bon voilà, je vous laisserai découvrir cette petite vidéo avant d'accueillir Anastasia, comme ça j'en profite. Anastasia, si tu veux venir me rejoindre, c'est le moment. J'en profite pour vous dire que si j'arrive à faire la transition entre les deux, voilà, me voilà de retour. Pour vous dire que normalement, l'émission Twitch Cerroni va reprendre à la rentrée. Alors je ne sais pas vraiment si c'est fin août, parce que je crois que Benoît revient fin août, ou si c'est début septembre. Je pense qu'on vous fera évidemment un petit message sur les réseaux pour vous le dire. Voilà, on va prendre un petit peu de vacances, comme tout le monde, et puis on reviendra à la rentrée avec des émissions dédiées à chacun des journalistes des différentes rédactions. Et puis surtout, ce sera des émissions thématiques, avec chacun aura ses thèmes, aura ses émissions un peu plus préparées que maintenant, je vous l'accorde. Voilà, en tout cas, on va être ravis de vous proposer tout ça. Là, l'été, l'idée, c'était de pouvoir un petit peu vous montrer que bah, on avait une chaîne Twitch, qu'on avait une cave qu'on avait réussi à aménager, et qu'on était prêt, en tout cas, à vous proposer des choses tout au long de l'année. Voilà, je perds mes mots. J'accueille sans plus attendre Anastasia Stemmer. Salut Anastasia, merci. Bonjour. Je vais tenter si je fais ça, Anastasia. J'ai droit à mon petit jingle ? Je sais pas, a priori ça marche très mal. Voilà, normalement les gens nous entendent. Non, normalement on est censé être sur cet écran. Ok, bon c'est très bizarre. Et voilà. Alors je vais me décaler un petit peu et hop ! Tu prends plus la lumière. Ça c'est mon crâne. Voici Anastasia. Bonjour Anastasia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, Anastasia? Alors, qui es-tu? Que fais-tu dans l'entreprise? Alors du coup, bonjour tout le monde. Du coup, je suis arrivée il y a à peu près un mois et demi. J'ai rejoint l'équipe de Catherine, l'équipe Cerroni au niveau de la communication et des événements. Du coup, tu vas nous aider pour préparer tous nos futurs événements. Exactement, comme le Master Club par exactement, exemple, qui est donc en septembre. Du 14 au 16 septembre à Venise cette année. J'en parlerai un petit peu à la fin, j'en mettrai un petit peu de masterclub dans les tuyaux pour saluer nos amis et pour leur rappeler qu'on fait un joli événement à Venise. Oui, à Venise cette fois-ci, pas à Barcelone, on change un petit peu. Exactement. Donc, Anastasia, tu travailles avec Catherine à la communication et je t'ai fait venir. Ah, Benoît est connecté. Salut Benoît. Bonjour Benoît. C'est nous qu'on a pris le contrôle de ta chaîne. Journaliste de la lettre de l'assurance, justement. Exactement. Très bonne transition. Oui. En plus, il arrive au bon moment, exactement. Benoît, parce que tu vas nous parler des triplettes de la lettre, qui est un tournoi caritatif qu'on organise en novembre prochain. Alors, je ne connais pas la date, le 17 novembre, exactement. Alors, en même temps, je fais des bêtises. Du coup, si on fait ça, ça ne fonctionne pas. Du coup, si je fais ça... Ça fonctionne? Yes! Pardon, voilà, je claque dans mes mains. On nous a dit de faire regarder en haut. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que c'est les triplettes? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent ce que c'est, ce qu'on va y faire, ce qu'on y propose? Et en même temps, moi, je vais un peu traficoter autour de toi. Donc, les triplettes de la lettre, c'est un événement de la lettre de l'assurance, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, en fait, c'est un moyen de rassembler les assureurs pour faire une œuvre caritative en fait, tout simplement. Donc voilà, donc on s'est dit que faire un événement caritatif c'est bien, mais faire quelque chose d'un peu plus fun c'est sympa aussi. C'est la touche de Cerroni également, et c'est pour ça que on a voulu faire un tournoi de pétanque pour tout d'abord récolter des fonds, et puis bien aussi pour que les gens s'amusent et avoir un petit peu de compétition au sein de cet événement. Alors, pendant que tu nous expliques, je mets une petite vidéo où on me voit d'ailleurs. Donc ça, c'est l'after movie de l'année dernière, à savoir que du coup, 2021 a été la première édition des triplettes de la lettre. Et donc, ça a eu du succès, c'est pour ça qu'on fait une seconde édition. Très bien. Et donc, dans ce cadre-là, cette année, nous sommes en partenariat pour l'organisation des triplettes de la lettre avec AXA, AESIO, Covea, Clésia, SPV Assurance, ouais. Le groupe Caisse Centrale de l'Assurance. De Réassurance. Réassurance, c'est pas grave. Ça fait un mois. Un mois et demi que t'es là, voilà. T'inquiète pas. Donc, je n'ai oublié personne. Pour l'instant, nous en avons 6. Et donc, cette année, l'association que nous soutenons, donc c'est Force Femmes, si tu remontes un petit peu. Yes. Voilà. Donc, c'est une association qui aide les femmes à se réinsérer professionnellement.
Donc c'est dédié aux femmes à partir de 45 ans, soit qui sont au chômage et qui souhaitent du coup se réorienter professionnellement, mais aussi des femmes qui souhaitent changer d'environnement professionnel. À savoir que cette association, chaque année, aide plus de 2000 femmes. Okay. Elle est présente dans 10 villes et également sur le digital. Très bien. Donc du coup, voilà. Cette année, du coup, c'est cette association. Très bien. Merci. J'en profite pour dire que sur le site de la lettre de l'assurance, je fais une pub d'enfer à Benoît, qui va me devoir beaucoup de de déjeuner, que vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations que vous voulez sur l'association. Et moi, j'avais une question de savoir comment on s'inscrivait. Bien sûr. Tu es tombé sur le bon volet. Formidable. On n'a pas du tout préparé cette séquence. Pas du tout. Alors du coup, vous avez la possibilité de venir juste pour le plaisir. Ouais. Donc participer à la soirée, venir voir les personnes, donc jouer. Puisqu'en fait, on joue en triplette, comme le nom l'indique, donc par équipe de 3. Donc voilà. Simplement venir voir, profiter du moment, voir de la pétanque au mois de novembre. Ouais, voilà, vrai. Parce que ça ne se joue pas que l'été, la pétanque. Et ensuite, donc, soit aussi jouer pour la gagne. Donc là, voilà, c'est l'inscription du coup en triplette. Donc il y a 3 accès pour profiter à la soirée. Et cette fois-ci, on participe à la compétition. Et enfin, jouer pour la gloire. Donc là, c'est l'entreprise, donc du coup, devient associée à cette aventure. Elle sponsorise une piste. Exactement, ça voilà, elle sponsorise une piste et voilà, elle aura son nom associé à l'événement également. Et elle a accès cette fois-ci à 3 triplettes. Donc 9 personnes de l'entreprise peuvent venir participer à la compétition. Ok. On a oublié de préciser. Alors, je crois que j'ai donné, je remonte. La date, c'est le 17 novembre 2022 à l'espace Comines. On n'a pas dit où ça se situait. Dans le 3e arrondissement. Alors, pour ceux qui avaient loupé, je te laisse poursuivre, Anastasia, bien mais sûr. Je remets l'after movie de l'année dernière pour que vous voyez un peu comment ça se passait, où on était. Et c'était très cool, j'avoue. On a repoussé beaucoup de fois cette compétition à cause du Covid, notamment. Et on a quand même réussi à tenir cet événement, et c'était très, très très sympa, et du coup c'était cool de voir des assureurs jouer à la pétanque. Et comme le dit Benoît dans les commentaires, c'est vrai que c'est une super ambiance et vraiment un plaisir, parce que les gens voilà, sont là pour la compétition, pour passer une bonne soirée, mais également voilà, pour participer aussi à aider une association qui aide les femmes cette année. Très bien. Je crois que nous là, sommes... Là on voit Benoît, la part de Benoît. Voilà. Parfait. Je n'ai plus d'autres questions, chère Anastasia. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées ou que toi t'aurais oublié de dire? J'imagine qu'il y a déjà des gens inscrits. Jusqu'à quand on peut s'inscrire? Jusqu'à la veille? Oui, voilà, écoutez, jusqu'à la veille ou jusqu'à temps qu'on a atteint en fait le nombre de personnes. Mais d'accord. Pour l'instant, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, vous avez donc sur le site internet lalettedelassurance.com, vous avez un onglet triplette, les triplettes de la lettre, et donc c'est sur ce site que vous pouvez vous inscrire. Cool, merci beaucoup Anastasia. En même temps, je lis les commentaires. Benoît nous dit: vous assurez grave, je retourne en vacances. Ouais, bien évidemment, le mec est juste venu surveiller pour voir si on faisait correctement le travail. J'espère qu'on a fait ça bien. Si je reviens à Nav, eh ben ça ne marche toujours pas. Du coup, je vais essayer de revenir ici. Oui, nous revoilà. Voilà. Merci beaucoup, Anastasia. Je vais t'inviter à aller chercher Guillaume Clément. Mais reste un peu dans les parages, parce que après tu vas revenir pour jouer à notre quiz. Oui, il est vrai que j'ai eu la chance de gagner la finale justement contre Guillaume hier. On était ex aequo. Très bien, je l'apprends, mais... Ah oui, bah pardon, oui, t'as raison. Tu nous as fait un petit quiz sur ce thème, justement. Pardon, j'avais oublié déjà, c'est très loin. Donc je vais chercher mon compétiteur. Ça marche, avec plaisir. En attendant, je vais préparer le site internet de News Asset Pro. Mon Dieu, merci Anastasia. Il fait très chaud, bonjour. Et sans transition. Et le voilà. Ce sont les mêmes. Salut tout le monde. Guillaume Clément, le retour. Guillaume habitué, hein, qui vient traîner ses guêtres dans l'émission à peu près toutes les semaines. Beaucoup trop souvent. J'ai fait une intro d'émission comme si ça faisait 6 ans que je faisais cette émission, alors qu'en fait ça fait un mois et que j'ai jamais participé plus de 10 minutes. Voilà. Je t'en sors très bien. Merci, c'est très gentil. On avait testé avec Pierre des transitions incroyables. Du coup, ça fonctionne pas des masses. Du coup, je suis obligé de le faire à la main. Voilà, je suis obligé de regarder en haut. Désolé, un jour, on vous montrera les backstage pour que vous puissiez voir un peu le nombre d'écrans. Ouais.
qu'il y a dans cette pièce qui explique pourquoi il fait 470 degrés. On peut les compter, moi j'en compte déjà juste 5. Exactement. Certes, ils ne sont pas tous allumés, mais c'est quand même... mais Pierre, en fait, il met plein d'écrans pour faire style, il bosse, mais en vrai, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis comme il est tout seul dans son, dans son truc, il ne sait faire que son truc. Je ne sais pas parler en plus en cliquant en même temps, mais voilà. Cher Guillaume, bienvenue. Hey, salut Thierry. Merci de me recevoir dans ton émission. Avec plaisir. En même temps que je te parle, je regarde les commentaires. Guillaume, il saute en parachute à quelle heure? Oui, alors on va, on va faire un point fashion. Guillaume s'est acheté une petite salopette hier, toute neuve. Une combi, Thierry. Du coup, il l'arbore avec fierté. Voilà. Et on est un peu team combi avec Anastasia aujourd'hui. Vous aurez remarqué qu'on est presque sur la même teinte, la même coupe. Voilà, je ne participe pas à ça, sans doute parce que je ne rentre pas dans la combi. Voilà. J'espère qu'on verra ton short. Il faudra que je vous explique que je suis en short parce qu'il fait très chaud et qu'on est au mois de juillet. Et que peut-être si je veux rentrer dans le niveau de détail supérieur, je suis en chaussettes. Ah oui. Voilà, cher Guillaume, nous allons parler très sérieusement de sujets que tu as traités pas plus tard qu'aujourd'hui sur les lanceurs d'alerte, qu'on appelle également whistleblowers. Exactement. Je fais semblant d'être bilingue alors que c'est une catastrophe. Et c'est un sujet très sérieux, donc ce sont des gens qui donnent des informations, notamment aux États-Unis, aux instances économiques, pour leur permettre de détecter des fraudes. Et si on lit ton article, je vous propose d'aller lire cet article sur News Asset Pro, on découvre que la SEC... SEC, le gendarme américain, gendarme économique américain, récompense ces lanceurs d'alerte. Ouais, c'est une des instances effectivement qui a mis en place un programme d'awards en 2012 en fait. C'est lié d'une législation après la grande crise qui était la loi Dodd-Frank et qui en gros dit que pour motiver un peu les personnes à dénoncer des pratiques frauduleuses, non éthiques de leur point de vue, en tout cas potentiellement répréhensibles par la loi, il fallait mettre aussi une petite carotte parce qu'il faut quand même rappeler que les whistleblowers, ils prennent beaucoup de risques quand ils transmettent des documents confidentiels de leur entreprise ou d'une autre instance d'ailleurs, hein, puisque ça peut aussi toucher des personnalités publiques, des politiques, des choses comme ça. Alors les plus connus quand même de whistleblowers, c'est forcément Julian Assange qui avait créé Wikileaks. On peut aussi citer Chelsea Manning qui a eu beaucoup de problèmes suite à ses dénonciations des pratiques de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Là en l'occurrence, sur ce papier, on s'est focalisé sur les personnes qui avaient été récompensées par la SEC. Alors évidemment, leur identité est préservée. Ouais. Il y a certaines affaires très très peu où on peut tracer à quelle affaire on fait référence, c'est-à-dire est-ce que c'était un hedge fund, ça a été le cas notamment une entreprise ou une société financière, mais pour la plupart tout est tenu confidentiel, une fois plus on le comprend pour des raisons de sécurité. Okay. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est amusé, c'était un vrai plaisir, à remonter jusqu'à 2012 toutes les décisions, les annonces de la SEC. Du coup tu les as listées dans ton tableau, pour c'est les ça lister, ouais, exactement. Donc, alors, on a un tableau de plus d'une centaine de lignes. Je découvre un peu ce tableau. Là, tu as toutes les décisions depuis donc 2012. On est en chronologique, donc on part des dernières jusqu'à celle de 2012. Alors, c'est intéressant de voir les montants qui, en fait, au fur et à mesure des années, s'épaississent, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. C'est vrai qu'à part quelques rares exceptions, tu vois, on le voit en 2013 ou en 2014, on a eu quelques dizaines de millions pour certaines affaires, on était quand même souvent à quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Ça s'est nettement accéléré depuis. Le tout premier whistleblower, dans le cadre de ce programme-là, a touché un chèque de 50 000 dollars. Okay. C'est pas mal, moi c'est pas mal. Je les prends, tu me les proposes, je les prends. Je sais pas si tu veux que je dévoile tout de suite le plus gros montant jamais octroyé. On veut le plus gros montant jamais octroyé. J'imagine que je remonte dans le... Ouais, tu peux remonter, mais en fait tu peux même descendre un tout petit peu sur l'article, car on a un podium. Wow. Et oui, c'est 114 millions de dollars pour une seule personne. Pour une personne, pour une information, en gros une indiscrétion, une information qui a permis... De coller une très grosse amende à la société ou la personne, puisqu'on ne sait pas de quelle affaire il s'agit. Millions, c'est pas mal. Alors sachant que c'est pas uniquement donner une information et ensuite c'est terminé. Là, apparemment, dans le communiqué de la SEC, il y a vraiment eu un travail d'analyse et un apport d'expertise qui, a priori, s'est étalé sur de longs mois. Donc c'est vraiment une mission... C'est pas un coup de fil, quoi. C'est pas juste un coup de fil, pour le coup. C'est dommage. Et du coup, on voit que pour l'instant,
c'est le champion toute catégorie. Et du coup, ça, comment ça marche? C'est en fonction de l'amende octroyée, c'est un pourcentage de l'amende? Comment ils calculent la récompense en fait? C'est tout à fait ça. En fait, effectivement, il y a une méthode un peu quanti, c'est pas à la tête du client. C'est qu'en gros, dès l'instant que la sanction prononcée par la SEC contre une personne physique ou morale excède $1 million, à ce moment-là, le whistleblower, il est éligible pour recevoir entre 10 et 30% du montant de l'amende. Alors, c'est pas forcément le montant qui va finir dans sa poche, hein, parce que d'abord, il est soumis aux impôts. Et avec une tranche pareille, bon, on peut taper sur du 50%. Il lui en reste quand même pas mal. Sur 114 millions, c'est pas grave, quand même. Ça va pour lui. Et on peut se dire que peut-être il a engagé lui-même, il ou elle a engagé des frais divers, notamment d'avocats. Et on sait que aux États-Unis, les avocats sont fortement payés, notamment quand il y a des grosses récompenses à la clé. Mais bon. Ils repartent avec un joli chèque. Ok, donc on l'a dans le graphique. Alors, Catherine dans le chat, et je remercie Catherine de faire remarquer que Guillaume utilise dans ses infographies des gifs atroces de paillettes en continu. Du coup, on a fait beaucoup de lobbying pour qu'il arrête, mais il s'en fout. Absolument. Donc, et on a un autre commentaire d'Amélis qui nous... Nous ringardise d'un coup. Merci Amélis. Merci Amélis, mais en vrai c'est... Ok. J'ai remarqué que quand t'étais pas dans le chat, Guillaume, les gens se vengent un petit peu sur toi puisque tu fais partie des ambianceurs du chat de cette émission. Pour ne pas dire des trolls du chat de cette émission. Exactement, je ne serais pas allé jusqu'à troll, mais c'est toi qui le dis. Là, tu as fait une petite infographie des sommes compilées de ce que versait la SEC. Moi, je dis la SEC. Ah, mais, tous les ans. Et on voit, on voit que 2020 et 2021, c'est pas mal quand même. Ouais, on est sur deux années quasiment record. On va voir si 2022, ça suit la tendance. Bon, a priori, il va quand même falloir faire trois fois le montant qui a déjà été octroyé sur 7 mois, mais il suffit parfois d'une amende et donc d'une récompense colossale pour faire exploser les chiffres. C'était le cas notamment en 2014, d'ailleurs, où je crois qu'il y avait il n'y a pas eu une seule affaire, mais il y a eu une poignée d'affaires, dont une à 30 millions de récompenses. Du coup, ça fait tout de suite un petit total à 31 millions. Du coup, en tout, ça fait combien depuis que la SEC fait ça? D'ailleurs, elle fait ça depuis quand? Depuis 10 ans, okay. 2012, okay. Et autant cumulé, on approche $1.3 billion. Alors c'est de l'argent d'ailleurs, c'est de l'argent public. D'où vient cet argent? C'est de l'argent public, mais... L'argent public, oui et non, dans le sens où il provient de l'amende payée par la société ou la personne qui est condamnée. Donc en fait, voilà, l'argent va au ministère des comptes publics ou l'équivalent américain qui en verse une partie aux whistleblowers. Okay. C'est plutôt un cercle vertueux. Ouais. J'invite les gens qui vont lire cet article à aller lire le dernier paragraphe qui est très drôle. Je te laisse nous expliquer pourquoi. Ouais, en fait, bon, bah, il y a plein de personnes qui se sont découvert une vocation, qui ont tenté d'être des lanceurs d'alerte, mais il y en a qui étaient, du point de vue de la SEC, bien pénibles, on va le dire comme ça, puisqu'en gros, ils leur apportaient des informations qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient pas du tout pertinentes, au point carrément où la SEC a banni, émis un jugement qui bannit ces deux personnes de toute communication avec le programme de Whistleblowing Awards de la SEC. On appelle très clairement des forceurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, le communiqué de la SEC est amusant, dans le sens où ils disent que les deux personnes en question qui ont été bannies ont envoyé des centaines de demandes de récompenses futiles, frivolous en anglais, qui ont fait perdre un temps et des ressources considérables aux équipes et entraver l'efficacité du programme. Voilà, la SEC qui a dit à plusieurs reprises à ces personnes de cesser de la contacter, ce qu'elles ont refusé. Bon, c'était la sanction. Ah, tenter de faire du whistleblowing un business model. Peut-être, peut-être. Cher Guillaume, je reste sur le site de News Asset Pro. Je regarde l'heure qui défile. Il te reste une dizaine de minutes pour me parler du sujet de ton choix. Tu m'avais proposé... peut-être de parler de la BCE. Parler de la Fed et de la BCE, en effet. Là. Je ne sais pas où je peux retrouver cet article. Écoute, vas-y, scroll un tout petit peu ici. Par là. Je pense que ça doit dater d'il y a une semaine. Donc peut-être... Oui. Christine Lagarde ou... Écoute, plutôt l'outil anti-fragmentation. Ok, qu'est-ce que c'est que l'outil anti-fragmentation? Alors, je remets... J'ai déjà oublié le terrible acronyme qui lui est affublé. C'est quelque chose comme ITS, hop. IPS. Si tu scrolles un chouïa en bas, ça va me revenir puisque je le lirai. IPT? Exactement, c'est le IPT qui veut dire... Il cherche désespérément la ligne. Pour l'article. Instrument de protection de la transmission. Ah, okay. Voilà, déjà. Le,
la BCE aime bien les acronymes un peu abscons. On avait le PEPP, dans au début des années 2000, on avait le SMP. Tu veux dire le Pandemic Emergency Purchase Program? Of course, tu sais ça par cœur, Thierry, c'est incroyable. Et bon, en deux mots quand même, l'IPT, c'était assez amusant ou affligeant selon le point de vue. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, la BCE a tenu sa conférence de presse de politique monétaire. Très bien, c'est prévu. Il diffuse le communiqué de presse en disant « on va remonter les taux d'intérêt pour la première fois quand même depuis 2011 ». C'était quand même un gros événement, mais c'était attendu. C'était pas une grosse surprise non plus, même s'ils les ont plus remontés qu'attendu. Mais surtout, c'était le jour où ils devaient annoncer les précisions pour ce fameux nouveau programme qui, en fait, l'outil anti-fragmentation, il vise à empêcher une nouvelle crise de la zone euro, comme on avait connu au moment de la crise grecque, puis italienne, espagnole et l'ensemble de la zone euro début des années 2010, pour calmer un peu les marchés, pour pas que les taux d'emprunt de l'Italie ou de l'Espagne s'envolent trop par rapport à la France ou l'Allemagne et que ça crée une panique financière. Donc du coup, ce nouvel instrument, qui était très attendu, ils en ont dévoilé les caractéristiques, mais ils l'ont en fait annoncé très succinctement durant la conférence de presse d'une heure que j'ai suivie en ligne comme plein d'autres journalistes, et ils l'ont un peu teasé tout au long de la conférence en disant « Bon, pour les modalités techniques, on diffuse un communiqué de presse à telle heure, et cette diffusion en fait a coïncidé pile avec la fin de la conférence de presse. » Qu'est-ce que ça veut dire? La façon dont on peut l'interpréter, c'est ça va pas forcer, ça va peut-être faire un peu polémique, être compliqué, avoir des enjeux politiques probablement. Donc on veut surtout pas que les journalistes puissent nous interroger en live à ce sujet. Donc c'était fait en catimini, à 2 minutes de la fin de la conférence, Christine Lagarde a dit voilà, les modalités ça arrive dans 2 minutes. 1 minute 30 après, le modérateur disait ok, c'est terminé, bon été, bonnes vacances. Paf, fin de la conférence, le communiqué tombe. Et donc on y apprend. En effet, que cet instrument, en fait, va pas trop ressembler au précédent programme de rachat d'actifs, notamment celui que tu citais, le PEPP de la pandémie, qui visait en fait à racheter de manière très très souple toutes les obligations d'État pour pas que les taux d'emprunt augmentent trop et que les États se retrouvent avec des problèmes. Et c'était vraiment quasi sans conditionnalité. Hein. Ce qui ne plaisait pas forcément à certains partisans, on va dire, d'une politique monétaire plus dure, notamment les pays du nord de l'Europe. Ouais. Et le nouveau programme, il y a des conditionnalités, puisque en fait, le conseil des gouverneurs de la BCE va décider, pour chaque cas particulier, mettons l'Italie a des problèmes, son taux augmente à 6%, le conseil des gouverneurs va se réunir, discuter, dire bon, est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que tels critères sont réunis, etc. Et il y a donc des critères, typiquement, la trajectoire de la dette, est-ce qu'ils sont trop endettés, est-ce qu'ils veulent la réduire ou pas, est-ce qu'on juge ça crédible ou pas, est-ce qu'il y a des problèmes de balance commerciale, est-ce que le pays doit réduire un peu sa dépendance aux importations. Et selon cet ensemble de critères, la BCE pourra décider d'aider ce pays ou pas. Donc, ça rappelle quand même pas mal des programmes mis en place au sortir, enfin même en plein, pendant la crise grecque, qui avaient beaucoup compliqué la tâche à la fois des États et qui n'avaient pas vraiment rassuré les marchés. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est pas un instrument qui a forcément vocation à être utilisé. Souvent, avec les marchés, c'est de la psychologie. Il suffit de dire qu'on a quelque chose en place en cas de pépin pour que tout le monde se calme et qu'il n'y ait pas forcément besoin de l'activer. On verra. Ok. Est-ce que tu as un retour des entreprises ou du marché financier dans son ensemble sur cet outil? Est-ce qu'il y en a qui ont dit qu'ils allaient l'utiliser? Est-ce que ça va être plutôt boudé? Pour l'instant, ça va. Les taux italiens, par exemple, qui est vraiment l'indicateur clé en ce moment pour la zone euro, c'est pas trop tendu à l'issue de ces annonces. C'est plutôt resté stable. Donc, voilà, so far, on attend, on va voir. Très bien, ben merci. Cher Guillaume, c'était très intéressant. Je vois que tu as calmé tout le monde dans le chat, parce que là, tout le monde était très très chaud pour chambrer sur les feintes, etc. Dès qu'il s'agit de parler de choses un peu plus sérieuses, là, il n'y a plus personne. Hein. N'hésitez pas à re-réagir. Il fait très très chaud. Est-ce que tu restes avec nous? Mais écoute, je suis assez chaud. Je vais quand même céder mon siège aux autres participants, mais je vais essayer de me caler dans un petit coin. Nous avons mis des poufs ici pour que tu puisses venir. Catherine me fait signe coucou. L'entièreté du service événement, Amélis, Pierre veulent me rejoindre. Mon Dieu, tu vas rester derrière moi comme ça? Absolument. Nous allons dans quelques minutes débuter un quiz sur l'ESR. Le temps pour moi. Tu prends des vacances, Guillaume? Ouais, demain soir. Très bien. Toi, moi aussi, du coup. Très bien, t'as ok, pas de problème. Voilà. Bon, a priori, ils me font galérer.
Du coup, c'est de bonne guerre. Attends, je les regarde. Ah, je vois Pierre arriver. Voilà, c'est du live, hein. Vous voyez tout en direct. Je vais tenter de revenir à une fenêtre un peu plus grande. Voilà. Bonjour, bonjour messieurs, salut, dames. Alice. Salut Amélie. Bon, on n'a pas tout le monde qui vient, mais parce que ça risque d'être compliqué d'avoir tout le monde dans la pièce. Il y a des poufs ici. Il y a des petits. Installez-vous. Voilà. Bon, direct, il y a à peu près l'entièreté de l'équipe qui s'installe. Désolé, je vais vous mettre une petite musique d'attente. Voilà. Hop, et je remets le son, et nous voilà, tu es beaucoup trop près, ouais. C'est beaucoup trop près. Gâteaux, tu veux pas, tu pas ouais, si tiens, regarde, okay, je vais me décaler, comme ça, la tête, voilà. Ouais, parfait. Est-ce que tu veux prendre un pouf? Bah non, je vais m'asseoir par terre. Mais non, mais va prendre un pouf. Mais regarde, voilà, un pouf. Voilà, regarde, comme ça on voit tout le monde, c'est parfait. Sauf Thierry. Si, non, je suis là, Pierre est là. Bon, pour tous ceux qui nous rejoignent, voici toute la brochette de News Assurance Pro, de News Asset Pro, de Céroni, de Annie, du Cercle Lab. Donc pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Guillaume ici, Pierre. Au fond, notre caméraman fou qui produit toutes les vidéos chez nous. Amélis, ici. Oui, pardon. Amélis, qui s'occupe d'Annie, notre service formation. Et Anastasia, que vous avez découvert tout à l'heure. Hop, je vais ouvrir, pardon, une petite fenêtre. Hop, navigation en même temps. Hop, vous découvrez aujourd'hui qu'il s'agit du jour du dépassement. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous est capable de me dire ce que c'est le jour du dépassement? Oui, bah oui, quand même. Bah voilà, moi j'ai découvert aujourd'hui. Donc, est-ce que vous connaissez pas le jour du dépassement? Qu'est-ce que c'est le jour du dépassement? Mais c'est aujourd'hui surtout. Oui, t'entends quand je fais ça? Alors Pierre, par contre, monteur, photographe, Pierre et est-ce tout, que c'est tu Pierre peux arrêter de toucher ma console pendant que je fais cette émission? Ah, elle m'a dit oui. Pierre, surtout backup. Ah, ah là là. On entend, ok. C'est bon, c'est on a entendu. Tu nous laisses tranquille maintenant. Puisque tu es en train de chercher un petit peu d'attention, je te propose de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le jour du dépassement. Qu'est-ce que c'est? Il y a une définition. Le jour du dépassement, une date qui survient toujours plutôt chaque année. Il lit comme personne, c'est Pierre. Donc pour expliquer, le jour du dépassement, c'est le jour où la Terre entière a consommé l'ensemble de ses ressources planétaires. Enlève ta main. Voilà. Donc du coup, c'est aujourd'hui, on a consommé... Il n'y a plus de kebab. Non, il n'y a plus de kebab. Par contre, on avait dit que tu te tenais tranquille. N'hésite pas à revenir dans le champ. Donc c'est l'occasion... C'est l'occasion pour nous de parler d'ESR aujourd'hui. Et alors, loin de moi l'idée de faire de la pub, mais nos amis de Sycomore AM ont fourni à Guillaume il y a quelques mois ceci, qui est un petit quiz sur des questions ESR qui s'appelle Citoyen responsable, placement responsable. Et du coup, je vais procéder à quelques petites questions, faire un petit quiz pour savoir déjà si vous êtes relativement bon, ce dont je doute en termes d'ESR ici dans ce bureau. Et pour les gens qui sont présents dans le chat... Ça va être c'est un bon. Enfer. Pour les gens présents dans le chat, vous avez le droit de jouer. Benoît est toujours connecté. Je sais pas s'il est à la plage, Benoît. Etc. Ah, regarde, oui. Benoît. T'as vu, on a fait ça bien. Voilà. Hop, je vous ai mis un petit compte à rebours de 10 secondes pour chaque question. Vraiment, c'est le compte à rebours le plus éclaté d'Internet. J'ai pris le premier gratuit qui venait. Voilà. Est-ce qu'on commence? Alors, okay, Amélie, je la connais. Elle va tricher, je sais pas si on me voit encore, voilà, je vais poser des questions. On ne me voit plus, on ne voit plus. Et voilà, on ne me voit plus, ok, voilà, je suis encore là, je suis oh, oh non. Je savais que c'était une très mauvaise idée ce poète. D'accord. Voilà. On j'ai comprend pourquoi Catherine ne vient pas nous montrer son nouveau jean, du coup. C'est bon, tout le monde s'est remis de ses émotions. Pas bon, sans Lévis. Ok, oui, bah ça va. Si ça va pas assez vite, tu me le dis. Alors. Ça va pas assez vite. Première question. Ah, hier, on l'a déjà faite, celle-là, du coup. Première question. Mais elle était pas là, mais j'étais pas là. Première question, je vais commencer par une question facile. S'il y en a parmi vous qui connaissent, vous levez la main en premier, je veux entendre personne dire. Okay. Et c'est moi qui décide. On joue tous en même temps? Apparemment. Tout le monde joue en même temps, y compris dans le chat. Vas-y, on y va. Dans quelle ville a été signé le tout premier accord mondial sur le climat en décembre 2015? Hop, ça ne triche pas. 9 secondes. En 2015. Allez, j'essaye. Il y a quelque chose? Paris. Les accords de Paris. J'ai dit, on lève la main. Pardon. Bah oui, mais tu l'as pas interrogé. Voilà. Tu as levé la main. Du coup, elle a pas le point. Du coup, t'as pas le point, Amélie. Du coup, le temps est écoulé. Ah non. La question pour un champion, si tu buzzes pas, t'as pas le point. Bah ouais, on a pas de buzz là. Ok, c'est moi qui décide au bout des 10 secondes. Elle a levé la main en premier. C'est Amélie qui répond. Qu'est-ce que tu réponds, Amélie? Les accords de Paris. Très bien. Lors de la COP 21, c'est une très bonne réponse. Voilà, elle a été soufflée dans le chat.
Ah. Oui, en plus. Oui, alors, merci, Louise. Chat, merci. Dans le chat, levez la main. Ne dites pas la réponse directement, sinon ça ne sert à rien. Merci bah, beaucoup. Si, si, si. Tu as dit qu'ils pouvaient jouer. Et moi, oui, ils peuvent jouer. Très bien, nous allons tenter une deuxième question. Quelle loi prévoit que tous les contrats d'assurance vie multi-supports oh doivent présenter trois types d'unités de compte solidaire, VER et ISR? Alors, on va un indice. Ouais. On n'a pas eu de formation à Annie là-dessus. Si. Dans la formation Quoi de neuf en assurance 2022, on a un petit module là-dessus. Donc tu le connais par cœur, donc on t'écoute. Je vais pas lancer le. Je vais vous donner un indice. C'est la moitié d'un petit baluchon qu'on a sur son dos. Huchon ? La loi Huchon ? Jean-Paul Huchon. Je répète la question. Valentin ? Quelle loi prévoit que tous les contrats d'assurance vie multi-support doivent présenter trois types d'unités de compte ? On a dit qu'on levait la main. La loi Pacte. Pardon, je n'ai pas levé la main. On n'a pas levé la main, mais la loi Pacte. C'est toujours la loi Pacte. Pourquoi à moitié d'un baluchon ? Ouais, j'ai pas. Moi non plus, pas pourquoi pactage. Ah, ah non, mais. Thierry a visité des mots. C'est enregistré, les gens vont se rendre compte de la. Impact, t'as pas trouvé mieux qu'à la moitié d'un baluchon. Nouvelle question. Nouvelle question. Il fait très chaud ici. Nouvelle question, une facile, parce que visiblement on a un niveau extrêmement. Pas brise, ça va, elle était pas dure celle-là. Merci Catherine pour la communication. Merci Catherine de nous aider sur ce coup-là. Vrai ou faux ? Si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait trois planètes pour subvenir à nos besoins. Vrai ou faux ? Bah, c'est Amélie, enfin, un sondage sur les quatre. À toi, tu donnes une réponse en plus. Bah, vas-y. C'est pourquoi ? Toi, tu dis vrai ou faux ? Je dis faux. Ok. Pourquoi ? Pourquoi, du coup, finis. Parce qu'il en faudrait quatre. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai. Nous vivons au-dessus des capacités de la Terre. Ah, zut. Désolé. Mais je pensais que les Français vivaient un peu moins bien que ça. T'étais très sûr d'elle. Il est 37, à partir de 45, chaque personne qui a faux, j'ai fait sortir de ce local parce qu'on ne va pas tenir jusqu'au bout. Si très bien. Ah bah, Louise avait la bonne réponse. Question moyenne. 100 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ah, c'était la réponse. Voilà. Je vous donne la réponse, il faut deviner la question, nouveau jeu. Ce n'est pas ce qu'il y a sur le compte en banque de Thierry Goudin. Un énorme crétin. Alors, du coup... N'hésite pas à revenir dans le cadre. Ok. Très agressif. Tu vois le professionnel derrière. Bah ouais. L'éducation est-elle un sujet qui concerne le gouvernement, les entreprises ou les deux ? L'éducation, le gouvernement ? L'éducation, le gouvernement ou les deux ? Non, l'éducation concerne-t-elle le gouvernement, les entreprises ou les deux ? Oui, j'ai vu. C'est encore un malice. Non, quand t'arrives en entreprise, t'es déjà... Les deux. C'est fini. Très bien. Voilà. En effet, c'est une bonne réponse d'Amélis Marseille. Les deux, dans l'entreprise, par la formation professionnelle, la réorientation des compétences et la transmission des savoirs. C'est pas l'éducation, ça. les termes sont pas bons. Je sors. C'est marqué l'éducation. Oui, mais c'est ton jeu qui pourrit, c'est pas le. Oulala! Salut nos amis de Sycomore qui ont créé ce jeu. Et en partenariat avec quelqu'un d'autre que tu as oublié d'ailleurs et que tu connais bien. Regarde. En partenariat avec Generali, un assureur qu'on connaît très bien. Cette manager assureur. Exactement. Peut-être pour ça que. Allez! Vrai ou faux ? Peut-on participer à la protection de la planète ou au développement équitable de la société à travers son épargne ? C'est Anastasia. Oui. Vous êtes vraiment très nombreux. Vrai. Mmh. Il existe des supports d'investissement socialement responsables et ou solidaires. Oui. Okay. Absolument. Pierre, vraiment, n'hésite pas à quitter la pièce si tu veux faire du... Tu veux faire du mauvais esprit. Ok, je continue. Je regarde l'heure, hein, vraiment, pour qu'on dépasse pas, parce que là, on est vraiment parti jusqu'à 20h. Je peux dire. Une question facile. Quels sont les trois piliers du développement durable ? Ah, là, ça va moins rigoler. Les trois piliers ? Piliers, carrément. La réponse est dans la formation sur la l'énergie. Mais je ne l'ai pas. Pas trop de publicité gratuite. Hein. Et là, on se fait ban. Durabilité ? Trois piliers du développement durable. Allez, je l'attends. Énergie. Il faut lever la main, Pédiche. Non, vas-y, Guillaume. Voilà. Guillaume l'attente. Mais du coup, j'ai oublié. Climat. Ouais. Biodiversité. Ouais. Ah oui. Je m'attendais pas à ce que la deuxième soit bonne. Non. Durabilité. Énergie. Il a rien. Ok, c'est faux. L'environnement, le social et l'économie. Ouais, parce que c'est ce que j'ai dit. Ah bah, c'est en fait RSE. J'avais pas levé la main.
carrément ce qu'on appelle la RSE, parce qu'en fait, le quiz, comme je le dis depuis le départ, est en rapport avec la RSE. Pardon. Oui. Est-ce que tu as la que... bonne réponse? Non, je vais une question en pif. Bien sûr. Une bonne question en pif, monsieur le présentateur. Ah, non, tu la lis pas avant. Prends le pouvoir. Pas... Ouais, les réponses. À changer de question. Je regarde, je regarde pas, je les réponses sont derrière, ok? Voilà, allez. Les réponses sont derrière? Oui, en effet. Prends une facile. Bon, tu les connais sûrement, les réponses, Pierre. Non, pas une facile. Alors, tu en prends une au pif, hein. C'est ça les questions, c'est ça? Bah, oui, c'est mieux que nous. Hein. C'est marqué question, c'est très il est nul en plus, putain. Alors, est-ce que Louise n'utilise pas Google? Je suis sûr que Louise triche. Facile, moyen ou expert? T'es un expert, toi, expert, 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 expert. Le gars se venge salement. Que doit indiquer une entreprise à mission dans ses statuts? Je pense que c'est sa raison d'être. La réponse est-elle dans la question? Où sont les réponses? Sa mission. Là. Oui. Quoi? Sa raison d'être? La condescendance. Sa mission. Ouais. Ah oui. Quelle mission? Quelle mission? Sa mission. Pour la planète. Ouais, pas mal. Sa mission pour la société. Sa mission sociale et environnementale. Ah, okay. Plus de but lucratif. Bah nous deux, on partage le point. Ouais, ouais. Très bien. Ah ouais, du coup. Si on en enlève un. Je suis comme toi le présentateur. Je continue. Avec quelle personne peut-on prendre rendez-vous pour savoir comment placer ses économies de manière responsable? Banquier vert. Un courtier vert. C'est TLM, là, je sais plus. Ah oui, c'est TLM. Le bonhomme vert, là. Non. Tout ça est enregistré, Pierre. Un jour, on va sortir. Conseiller financier. Un conseiller financier, c'est une bonne réponse. Ah, c'est bien. Un conseiller financier auprès de sa banque, de son assureur ou de son conseiller en gestion de patrimoine. Très bien. Ou son banquier privé, si on est plutôt dans la cible News Asset Pro. Quoi? Question suivante. Vrai? C'est faux. Mais il est mal foutu. T'es pas prêt pour. Pour ta défense, t'es défense, pas prêt pour question pour un champion. Je suis nul. Quelle technique marketing consiste à orienter sa communication vers un positionnement écologique tout en polluant? Ah oui. Vrai, du coup. La réponse B. Anastasia, une très bonne réponse d'Anastasia qui est le greenwashing ou éco-blanchiment. Elle n'a néanmoins pas levé la main du coup. Comment est statut sur... Donc... C'est non. Je n'utilise même plus le. C'est vrai, on n'a pas le temps. Alors, on va passer aux questions un peu plus difficiles. Faux. Est-ce que j'ai déjà fait cette question? Oui, pardon. Vrai ou faux, on peut mesurer la trajectoire environnementale prise par les entreprises? Pourquoi j'ai plus ma souris? Heureusement qu'il nous a demandé de lever la main pour oui, nous ben, parce qu'il attend qu'on lève tous la main. Du coup, levez tous la main, s'il vous plaît, histoire qu'il y en ait moins d'autres qui puissent répondre. Amélis. Vrai. C'est vrai. En mesurant l'alignement de la stratégie avec des scénarios climatiques. Pendant que je dis c'est vrai, Pierre clique sur ses faux. Les gens sont confus. Les gens sont confus. Voilà, j'ai laissé les manettes à Pierre là, c'est comme fou. Vous le voyez ici. il casse le. Je te laisse normal, je sais pas comment ça se remet. Du coup, si vous voyez des trucs bizarres qui se passent à l'écran, en plus j'avais réussi à mettre mon compte à rebours, regarde, tu vois, incroyable. Voilà, autre question. Est-ce qu'on est quand même sur l'émission, la partie éducative de l'émission, la moins éducative possible pour le public? Attention, quel indice évalue le niveau de développement d'un pays en se fondant sur la qualité de vie de ses habitants? Quel indice? J'ai pas compris la question. Évalue le niveau de développement d'un pays en se fondant sur la qualité de vie de ses habitants. Donc il y a un petit bonhomme qui lève la main. Depuis tout à l'heure. Oui, il lève la main parce que sinon il n'interroge pas la première personne. Enfin. C'est Guillaume, je me mets à la place des gens qui tombent sur cette émission. Je vais demander ce qu'on fait. Je pense que Benoît lui est parti, il est retourné. Bronzé. Voilà. Je pense que Mariona, elle a fait. Non, ok, elle nous a vu, elle est repartie. J'arrive sur la réponse. Je t'ai pas oublié. Je me demandais si on pouvait baisser la main, mais c'est pas agréable. Il s'agit de l'IDH. Mais tu sais que. Dude! I know that! Hello! Que veut dire IDH? Indice de développement humain. Oh là là! Comme chacun sait. Il avait révisé avant. C'est Guillaume Clément. Attention! Déjà fait ça? Non, on l'a pas déjà fait. Citer deux critères pris en compte pour évaluer la qualité sociale d'un emploi.
Waouh. La bienveillance. Allez, on tente. Il y en a plusieurs, il faut m'en citer deux. C'est une personne qui aime bien les gens. On va lever la main parce que sinon il va pas nous interroger. Voilà. Non mais Pierre, même quand on lève la main, ils interrogent. Ah bah si, Pierre. Baissez la main. Baissez-la. Aïe. Tu baisses la main. Pierre, t'as l'air chaud, vas-y, qu'est-ce que... Non, non. Pierre, t'as l'air d'avoir chaud. Deux critères pris en compte pour évaluer la qualité sociale d'un emploi. Vas-y, il y en a plusieurs. Cite-moi-en deux. Bah, je sais qu'il y en a plusieurs. Il dit qu'il y en a au moins deux. Lance-toi. Bah, non, un critère, mais quel type de critère? On est sur l'humain, on est sur l'ESR, tu vois, le... Je sais pas ce que c'est. économie, c'est la planète et tout, là. Économie socialement responsable, tu vois, c'est faire de l'argent en étant respectueux de la planète. Ouais. J'ai bien résumé. Oui. Voilà. Okay. Du coup, on est sur ce thème. C'est non. On peut faire un appel à un public. Deux critères pris en compte pour évaluer la qualité sociale d'un emploi. J'appelle un ami. J'appelle Guillaume. Ok, Guillaume, on t'écoute. La nomination d'un Chief Happiness Officer. D'accord, donc c'est non. Ah, c'est... Eh bien, je te rends la main, Pierre. Je rappelle qu'Amélie a les yeux sur mes réponses depuis tout à l'heure, non, donc elle fait partie. Je te fais croire cette rumeur comme quoi elle triche. C'est faux, on n'a jamais eu de preuves. C'est faux. Merci. Les Marseillais trichent, c'est faux. Je ne suis pas Marseillaise, déjà, en tout cas. Tout le monde sait encore, Pierre. Continue. Moi, je propose le bien-être au travail et le work-life balance. Je ne sais pas comment on dit en français. Équilibre, vie privée, perso, merci. Peu, aucune de tes réponses. Quel type de critères? C'est bizarre tes critères. La parité. Non, attends. Citer deux critères pris en compte pour évaluer la qualité sociale d'un emploi. Tu dis la parité? Oui. Non. Comment définis-tu qualité sociale? Le nombre le nombre d'emplois créés. Le fait que tu aides les gens, la capacité à aider. C'est non. Le sens au travail? Ouais. Ah, Catherine Marquis dit la formation, comme sur Annie. Non. C'est une petite formation. Ça peut, hein, non, Catherine, bien tenté, Annie, ça pourrait, mais... Ça arrive tout seul, il suffit de le dire. La satisfaction collaborateur, dit Louise. Sa mission sociétale. Alors, vous êtes proche, mais c'est pas ça, je vais vous donner les réponses. Allez. L'équité des revenus. D'accord. Pierre, écoute. Oui, pardon, j'étais ailleurs. L'équité des revenus. La sécurité de l'emploi. Ah, all right. La mobilité professionnelle, l'inclusion de travailleurs marginalisés. Très bien. Voilà, la question suivante. Les quatre critères. Ah, on en coche combien chez Céroni? Aucun. L'équité des revenus, ça j'en sais rien. La sécurité de l'emploi, bon, tu. Oui. Oh, on est en France, donc tout va bien. La mobilité professionnelle, on n'a pas envie de partir. C'est non. L'inclusion des travailleurs marginalisés. Alors, question suivante. Vrai. Allez, bonne soirée, moi je m'en vais. Pierre quitte le navire. C'est la même couleur. Aïe, aïe, aïe. Si t'avais une voix dans ta tête, tu l'entendrais avant de le Je peux monter en grade. Pierre désire de quitter le navire. Amène Catherine. Ouf. Pète la chaise en s'asseyant. Allez, encore quelques questions et après on va libérer les gens parce que je pense qu'ils sont saoulés. Quel montant a été investi par les Français en 2020 dans l'épargne durable? C'est pas super. C'est écrit dans la formation Quoi de neuf en assurance sur Annie. C'est un enfer. Arrêtez de faire des médias, en fait c'est tout sur Annie. On va récupérer ça. 1 milliard, 10 milliards ou 100 milliards? Milliards, 10 milliards ou 100 milliards, je retourne à mon petit compte à rebours. Vas-y. Je reformule la question. Quel montant a été investi par les Français en 2020 dans l'épargne durable? Anastasia, tu as la réponse, je t'écoute. 100 milliards? C'est 100 milliards d'euros, c'est une très bonne réponse. Mais ne serait-ce... Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça okay. C'est pas la réponse que tu nous as dit tout à l'heure? Oui, c'est juste que j'ai une bonne mémoire. Ah bon? Ah, j'ai lu la réponse avant le c'est possible. Au début, tu as dit 100 milliards. C'est 100 milliards. Donc en hausse de 66% par rapport à 2019. Et la source, c'est Novetic. Voilà. Très bonne source, Novetic. Très bonne source. C'est vrai. Je ne sais pas qui c'est. C'est très très bien. Ils sont gentils. À partir de la Caisse des dépôts, ils font des très bonnes études. Super. Naganao. J'arrive hein, pour les questions, j'en trouve les autres. Oui, il n'y a pas les réponses. Hein. Si ça commence par vrai, normalement, c'est pas bon. Si jamais c'est pour ça que la plupart des jeux sont enregistrés et non pas diffusés. Merci. Tu sais que Guillaume, on ne voit pas. Ah oui, c'est vrai. Tu es hors champ. Mais écoute, on m'a dit aujourd'hui que je serais pas mal en voix off permanente, donc je teste le modèle. On fait ça. Allez, une petite dernière question. Vrai ou faux?
L'empreinte carbone directe permet d'évaluer la contribution des entreprises à la transition écologique. C'est encore une fois Amélis Marseille. Je suis trop vive. Je dirais vrai. Très bien, c'est faux. Vrai. J'espère que les gens entendent. C'est faux, c'est mais bon. L'outil de mesure NEC, N-E-C, Net Environmental Contribution, le permet. Okay. Intéressant. C'est sur Annie, ça, voilà. Ou quoi? Non. Ah. Au moins, je le... Tu le mets sur la liste pour la prochaine saison, voilà. De formation. Allez, une petite dernière, et puis après, on arrête de saouler nos amis... Nos amis sur le chat. Moi, je pense qu'ils passent un très bon moment. Ils sont déjà partis. Visiblement. Je regarde si Benoît est encore connecté. C'est faux. Son dernier message est c'est beau et après il s'est décomposé. À quel niveau hiérarchique évalue-t-on l'intégration des enjeux humains à la stratégie de l'entreprise ? Vous pouvez répéter la question. À quel niveau hiérarchique évalue-t-on l'intégration des enjeux humains à la stratégie de l'entreprise ? D'accord. Non, son compte à rebours. Vas-y Guillaume, on t'écoute. Direction générale. C'est faux. Oh, au niveau de l'équipe dirigeante, mais pas que, des ressources humaines et de l'ensemble des collaborateurs eux-mêmes. Donc à tous les niveaux en fait. Ouais, très bien. Vous aviez tous à trois cumulé les bonnes réponses. Je n'avais surtout rien dit du tout, donc je suis contente que tu m'inclues là-dedans. Parce que je suis pour l'inclusion. voilà. Je propose de clore. Vous allez rester avec moi. Vous allez rester avec moi pour cette fin d'émission. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vous propose de jouer chez vous avec ce petit questionnaire. Petit fascicule. Édité par Sycomore. Ça fait combien de temps que tu l'as eu, ce truc? Ça fait quelques semaines, je crois. Ouais. C'était un petit cadeau de vacances, je pense. Merci, d'ailleurs, pour l'envoi, parce que du coup, on s'est bien marré. Et je vous remets en chat le site de nos amis de Sycomore AM. Mmh. Oh, waouh. Wow. Vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Les gens ne peuvent pas voir, mais c'est incroyable. Ça fait un joli éventail. Ouais. Je regarde l'heure qui défile, chers amis. Ne touche pas, mais juste pour montrer à la commune quand même. Voilà, c'est tombé exactement comme ça. C'est incroyable, c'est un artiste. Merci. Chers amis, avant de nous quitter, je vous rappelle, ici, dans la petite fenêtre que je vous vois, que le site Annie est toujours disponible. Donc le site Annie, vous le savez, c'est de la formation. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ces dernières semaines, chère Amélie, sur Annie? Tu as mis une nouvelle formation dernièrement? Oui, on a mis les fondamentaux de l'assurance construction, mais ça c'était il y a presque un mois. Très bien. Et développer ses aptitudes de manager coach qui est à l'écran. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, dès que Monsieur Dish, qui était présent tout à l'heure, aura finalisé le montage de la fameuse formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui est attendu, SCBFT pour les intimes. C'est la formation que tout le monde attend, donc j'ai hâte de la mettre en ligne et ça sera la prochaine. Très bien, le compte à rebours est terminé. Parfait. Ça marche. Merci Amélis pour ces précisions. Je rappelle que nous aussi, on se forme auprès d'Amélis qui nous met une pression d'enfer. Auprès de Annie, pas de... Enfin, de... Je ne vous forme pas vu que je me forme aussi, moi. Auprès de Annie. Amélis se forme aussi auprès de son propre de formation. Et du coup, nous suivons tous et toutes chez Céroni les formations, déjà pour qu'on soit un petit peu au point. Et deux, pour lui faire nos feedbacks et lui dire. Et parfois, on est en retard, comme tout le monde. Et là, on est pas mal en retard. Ouais, là, on est un peu tous en retard. Un peu tous en retard. Sébastien ne regarde pas cette vidéo. Je ne sais pas, j'espère que non. C'est salut Sébastien. J'avais également préparé ça. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Juste pour vous dire que pour celles et ceux qui nous suivent et qui viennent à nos événements du Cercle Lab, nous sommes avec toute l'équipe de rédaction, c'est faux, ils sont tous en vacances, en train de finir de rédiger Le Badass. Donc là, on est en pleine relecture et mise en page, c'est faux, elle est aussi en vacances. Mise en page de cet ouvrage, ça sera la 4e édition cette année qu'on vous présentera à Barcelone et la normale. À Venise. Oh wow. Venise, il est désagréable. 15. Hop, et la transition incroyable. Non, ça que l'air. En live, vous voyez comment je galère à chaque fois. Nous reste-t-il des places, chère Anastasia, pour aller à Venise? Eh bien, écoute, il nous en reste quelques-unes. Donc, si jamais vous voulez participer à cet événement exclusif, eh bien, il vous reste quelques temps pour vous inscrire, mais assez rapidement. Voilà, je vous mets quelques images. Oui. Donc là, c'était à Barcelone. De Barcelone, de l'année dernière. Cette fois-ci, c'était à Venise, au JW Marriott, qui est sur une île juste en face, en fait, de la place Saint-Marc.
Il privatisait. C'est ça, donc, par l'hôtel. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà. De Lille, vous avez plus ou moins cette vue, donc c'est assez sympathique. Très cool. N'hésitez pas, je sais qu'on vous en parle tout le temps, tous les gens qui nous croisent, on vous parle du Master Club. En vrai, on a des invités très très cool, très très prestigieux. Nous, on a hâte d'y aller, d'animer les conférences, de vous présenter tous les travaux qu'on a fait, et surtout de vous présenter le programme du Cercle Lab de l'année prochaine, qui devrait être très très cool. Voilà. Chers amis, je me souhaite à vous remercier pour votre aide dans cette émission un petit peu chaotique, je dois l'avouer. Je vais rendre l'antenne d'ici quelques minutes. J'espère que Pierre, qui m'entend, pourra venir m'aider parce que je ne sais pas trop si j'ai, capté correctement tout ce qu'il fallait faire pour correctement arrêter tout ça. Si vous m'entendez encore dans le chat, surtout n'hésitez pas. Si vous m'entendez parler derrière, voilà, je vais essayer de pas dire trop de conneries pendant les 10 prochaines minutes. N'oubliez pas, à la rentrée, je ne sais pas encore si c'est fin août ou début septembre, mais Benoît vous fera un message, de nous retrouver sur Twitch tous les jeudis. Et puis il y aura sans doute d'autres dates qui vont, d'autres rendez-vous qui vont venir s'ajouter. On vous prépare plein de choses pour la rentrée. Voilà, ça a été très cool de partager tout ça avec vous. Et puis me reste à vous souhaiter un très bel été à tous. Et puis je vous fais un coucou et je vous dis à la rentrée. Salut. Cheers. Si je fais ça, non. Non. Oui. Le micro. Hop. Ciao. Non.